Bonjour chers internautes et tous les téléspectateurs du Congo Locolé TV. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans notre tranche École du Savoir. École du Savoir, nous recevons pour vous le prophète Jephté Moalou. Il est venu, non pas pour exhorter, mais pour parler des secrets des interprétations des songes. Pour commencer cette émission, je commencerai d'abord à présenter notre invité. Le prophète Jephté Moalou est marié et père d'une famille. Il est diplômé en biblisme dogmatique et en journalisme. Il est serviteur de Dieu et présentateur d'une émission télévisée Phénomène de rêve. Onirologue ayant les dons de révélation et d'interprétation des songes et de vision. Bonjour prophète. Bonjour madame. Bienvenue dans notre plateau de Kokoloboué News. Merci. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre livre, Les secrets de l'interprétation des songes. Nous avons compris que beaucoup de gens ont des problèmes sur les songes et les rêves et ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent avoir une explication normale pour leurs songes et pour leurs rêves. C'est pourquoi nous avons tenu à vous inviter dans ce plateau pour nous parler un peu, au fait, pour commencer, qu'est-ce qui vous a pris, au fait, parlez-nous de votre parcours spirituel et comment vous êtes arrivé à interpréter des songes. Vous avez le micro, prophète. Merci, madame. Je crois que j'ai reçu de la part de Seigneur la grâce de les connaître il y a de cela beaucoup de temps. Je suis fils spirituel de Dr Emmanuel Kaman, parce que je suis en train de m'épanouir dans la communauté donc, chrétienne des Sarans, la communauté dont le Dr Emmanuel Kaman dirige. J'ai reçu le Seigneur Jésus à côté de mon père spirituel, le pasteur Jean-Baptiste Dética. Et pour arriver à enseigner ou à parler sur le songe, en fait, j'avais, au début de ma foi, j'avais remarqué quelque chose d'anormal. Et parfois, quand mon pasteur recevait les gens venaient, et ils expliquaient beaucoup de choses. Et parmi lesquelles, certains essayaient un peu de narrer les différents songes qu'ils faisaient. J'étais un petit peu choqué de voir comment les gens recevaient des interprétations de songes. Bien des fois, ils les négligeaient. Et parfois, ils faisaient des songes et après avoir reçu des interprétations de la part du Seigneur, ils partaient. Après quelques temps, c'est que l'Éternel les prévenait arriver. Je me disais, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à prier pour cela. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'expliquer, de m'éclairer un peu là-dessus, parce que j'ai l'impression que les gens ne considèrent pas les songes. Les gens donnent beaucoup plus d'importance à la prophétie plutôt qu'aux songes. Et c'est pendant que j'étais en train de prier, Dieu a commencé de m'enseigner là-dessus. Et premièrement, il m'a donné les dons de l'interprétation des songes, et puis il commença à m'enseigner sur différents langages de Dieu parmi lesquels nous avons le songe. Prophète, y a-t-il une différence entre un rêve et un songe? Alors s'il y a une différence, pouvez-vous nous définir qu'est-ce qu'un songe et qu'est-ce qu'un rêve? Bon, en fait, il y a une nette différence entre un rêve et un songe. En fait, cette différence, ça a été établi par les experts. En fait, et pour réaliser la différence entre rêve et songe, le mieux serait d'avoir une connaissance sur la définition des songes, comme vous venez de le demander. Le songe, le mot songe, comme tout mot français, a des définitions. La définition dynamique et puis la définition étymologique. Parce que la plupart des mots français nous viennent du grec et du latin. Il en est de même pour le mot songe, il nous vient du latin somnium. On écrit somnium, on lit somnium comme album. On écrit album, on lit album. Donc, c'est de là que provient le mot somnolence. Oui, tout à fait, tout à fait. Le terme somnium
nous vient d'une divinité romaine. Selon le panthéon romain et la mythologie grecque, il y avait un dieu parce que les Grecs et les Romains ont célébré le même dieu mais sous différentes appellations. Chez les Romains, ils adoraient un dieu qu'on appelait Somnus. C'était le dieu du sommeil. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez dans d'autres pays de l'Europe, il y a tout un institut national du sommeil, par exemple en France. Et là, on étudie la somnologie. Le terme somnologie nous vient de cette divinité Somnus. Vous voyez, le dieu du sommeil, selon le panthéon romain et la mythologie grecque. Voilà, le terme somnium nous donne littéralement le mot rêve. Vous voyez, le mot rêve signifie une série d'images incohérentes qui se présentent à l'esprit de l'homme durant ou pendant le sommeil. C'est comme un film qui aurait été mal monté. C'est comme ça. Et si vous lisez par exemple dans la Bible, dans Psaume chapitre 126, verset 1er, la Bible dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Le mot rêve qui est cité dans Psaume chapitre 126, verset 1er, a beaucoup plus le sens de cette définition que je viens de relever maintenant. Donc on suppose que par rapport à cette définition, le mot rêve se rapporte à tout ce qui paraît irréel. Parce que quand on parle d'une image incohérente, c'est-à-dire une image qui n'est pas conforme à la réalité. Oui. Parfois, il vous est déjà arrivé de voir quelqu'un que vous aviez vu il y a de cela beaucoup de temps passé. Et parfois, on se demande, est-ce que ça c'est un rêve ou une réalité, vous voyez? Donc c'est par rapport à cette définition. Et ces mêmes mots, rêve ou songe, nous viennent du grec. En grec, il y a un terme qu'on appelle onéiros. Le terme onéiros nous donne les mots français onirique, onirologie et onirologue. Vous voyez? Le terme onirique signifie tout ce qui a trait au songe. Par exemple, en lieu et place de dire le monde du songe, on dira le monde onirique. 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 Voilà. En lieu et place de dire celui-ci enseigne sur les songes, on dira celui-ci c'est un onirologue. Voilà. Donc l'onirologie, c'est l'étude scientifique des songes. C'est ce que Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler ont fait. Ils ont étudié scientifiquement les rêves. On dira de cela, ils ont fait l'onirologie. Voilà. Ça, c'est la définition étymologique. Si nous essayons un peu de descendre un peu plus loin, le terme songe nous vient encore par rapport à la définition dynamique. Les psychologues ont essayé de définir le songe. Et pour les psychologues, le songe est une expression organisée de l'âme. Vous voyez, donc, en quelque sorte, c'est le langage de l'âme. Parce que dans l'âme, il y a les sentiments, les émotions, les plaisirs, la volonté, les désirs, ainsi de suite. Donc, par rapport à cette définition, on peut dire que le songe peut révéler les désirs, la pensée, les émotions, les souhaits du dormeur. Donc, on suppose que si quelqu'un fait un songe, au travers d'un songe, on peut avoir connaissance de ses pensées, de ce qu'il souhaite, de ce qu'il projette, de ce qu'il est en train d'envisager. Et voilà pourquoi j'ai dit, je défends beaucoup à ceux qui ont l'habitude d'expliquer les songes à tout le monde, parce que au travers de tes songes, les gens peuvent avoir l'idée sur tes projets. Parce qu'il y a un père de l'église, c'était Grégoire Denis. Il a dit, lorsqu'il était en train d'étudier les rôles des facteurs physiologiques dans le développement de l'imagerie onirique, il a dit, les rêves peuvent révéler la personnalité du dormeur ainsi que ses principales tendances. Donc, on suppose qu'à travers d'un songe, vous pouvez avoir connaissance de la personne qui a songé, de ses choix, de ses désirs. Pourquoi? Parce que les rêves peuvent révéler l'homme tel qu'il est,
rencontrer. Voyez. Là, je vous signale que cette émission est bilingue. En fait, vous pouvez parler aussi à Lingala pour une meilleure audition, pour que les gens puissent vraiment comprendre comment interpréter un songe et comment comprendre que par un songe, Dieu de fois nous parle, il nous oriente, et en plus, il prédit aussi l'avenir à travers des songes. C'est pourquoi cette émission est bilingue. Alors, nous passons à notre question. Quelle est l'origine des songes? En fait, le songe a trois sources de provenance. À un certain moment, il y a une trentaine d'années, les savants américains, Gleitman et Dement, ont commencé, ils ont pris la résolution d'étudier, ils voulaient répondre à cette question. D'où viennent les songes? Parce que très souvent, nous faisons des songes. Parfois, on voit quelqu'un qui était déjà décédé, et on le voit dans le songe. Parfois, on se pose la question, et comment Kokonanga Kufana l'otaï? Ça intrigue parfois, ça va te mêler. Yoluta, Bandoto, Kabakwa Koufa, Luta, Kabandoto, camarade Nayo, ami Nayo, Moutumo, Bozala Naye ensemble, Moubali Nayo, Akenda, Koufa, Ozolotel. Parfois, tu te demandes, est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable ou comment? Donc, Kolandisama ba étudie, il y a des scientifiques, on a du coup, le client, il y a des maîtres. Qui ont réalisé que, bon, en fait, avant d'étudier le sommeil, avant d'étudier le songe, avant d'étudier d'abord le sommeil, à l'aide, il y a pareil, électroencéphalogramme, pour la couloir, est-ce que la carte à cerveau est à mon présent, la zone, mon corps, et puis ça, mon tout, l'auto. Est-ce que ça, un moment, mon corps particulier, dans mon talent, la carte, où il faut permettre à mon doigt l'auto. Et tant que scientifique va étudier, il faut se rendre compte que, quand il y a Pongi à Moutou, il y a un moment particulier, il y a une phase paradoxale. Donc, il y a. Quand tu es prophète, le terme, il y a une phase paradoxale. Là, il faut bien expliquer pour que les gens vraiment puissent bien comprendre de quoi il s'agit. En fait, la phase paradoxale, c'est juste un terme qu'ils ont donné à ces moments particuliers du sommeil. Donc ils ont pris, ils ont mené des études, ils se sont rendus compte que dans le son, pendant le sommeil, il y a cinq stades du sommeil. Ils ont étudié, ils se sont rendus compte qu'il y a le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil très profond. Et la carte avait dit d'abord, ah, c'est comme si ça le moment où on boule. Tant que tu as zalakana pomi, moment où on a l'air de l'otaka. Bambo, si on a yéli na bambo, ma péchi, moment où on a combo, phase para. Si autant on va continuer, on va réaliser que pour monter à l'ali pendant 8 heures du temps, il y a la possibilité ou l'autre pendant une réduction. Ça, c'est bon, les scientifiques. Mm-hmm. Bon, en fait, nous le savons tous que monter à une horloge biologique, l'horloge biologique, ils ont permis à monter ce qui nous ont gagné, ou à l'ala habituellement, coquille. À taza la moussala, à taza la biwa, à taza wapi, à propos de somnolus, parce que c'est le temps pour lui, le temps. Vous voyez? Mais selon des titres, il dit quand même que pour la pongi à 8 heures du temps, l'homme peut rêver pendant une minute. Ils ont raison, ils ont tort. Là, on ne sait pas, ce sont les scientifiques. Mais pour nous qui sommes des biblistes, en fait, par rapport à la Bible, il y a trois sources de provenance des songes. Il y a Dieu, il y a l'homme, et puis il y a le diable. Donc, tout ça n'a pas source ni ça, tout y'a pas l'auto. Et ça n'a pas l'auto, t'as qu'il y a un zambé. Et ça n'a pas l'auto, et vous t'as qu'il y a un moutou. Et ça n'a pas l'auto, et vous t'as qu'il y a un satan. Bon, on peut commencer, Toko Banana. L'auto, et vous t'as pas un moutou, et vous t'as un dégué, et vous t'as pas un moutou. Voilà, c'est. On peut commencer par ça. Tout à fait, tout à fait. En fait, et ça n'a pas l'auto, on se souvient, t'as qu'il y a un moutou. Par exemple, sur Talina, au Kandaya, Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, Bible le dit, les songes naissent de la multitude des occupations. Et la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. La Bible essaie de comparer les songes avec la voix de l'insensé. Donc, Bible le dit, Bandoto et Utakana, la multitude des occupations. Cela suppose que ce Utavu Kanisa Mini a occupé l'Otaniki. Ça s'est fait très souvent.
pour la bande de Koyo, Bandekana Baban, il y a l'école, très souvent, la période d'examen d'État, on remarque Mingi, Mingi, Bandoto Mongolo, Tanaka, voilà, Zuité, soit Kombolo Bimi, un journal, et on se subit. Ou encore Bimité. Ndoto nous a beaucoup plus cerné sur Makambota, l'examen d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a une des autres qui peut penser, là, dans la période. Nous avons beaucoup plus préoccupé la maman de Bala. Nous tenons nous à Bali, l'autre ami, mariage, à des fois, mon bali m'oboué, nous avons pas la voie. Ce qui a été la dernière, nous avons passé de l'année, nous avons l'autre pays, Balani, nous ensemble, nous avons l'obéir alors que ce n'est pas Dieu. Parce que l'homme a trois capacités. L'homme perçoit, conçoit et reproduit les images. C'est ça l'homme. Toute image perçue et conçue automatiquement, elle peut être reproduite durant ou pendant, en fait, durant la veille ou pendant le sommeil. Ce qui nous a mouru. Et si quand nous sommes là, une seule fois, madame, on s'est rappelé, mon colloquia, les sous-souana, et nous m'ont rappelé. C'est comme si les gens ne savaient pas. Des fois, ils rappellent dans les circonstances, mon sous-sous, mon aime sous-sous qui est placé, mon soit dans l'occasion, mon colloquia, on s'est rappelé que. Voilà, tout à fait. Donc, et si Kanyoso, Pokoma, une seule fois, et l'Ognoso, Mona, la vie, une seule fois, Mokolo, Mona, Mosoa, monsieur, Namoui, Baté, Namoui, 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 Namoui. Donc, ça, c'est le sens de la perception. Tout à fait. Donc, tout ce que l'homme perçoit est conçu automatiquement, elle peut être, si c'est une image, elle peut être reproduite pendant le sommeil. Ce qui est une image, on a Mona, on est Kanaï. Et zombies pendant la veille, tout comme dans l'imagination. Et si pendant ou durant le sommeil, on appelle ça un rêve, pas un songe. Vous voyez? Donc la différence entre un rêve et un songe, c'est dans ce sens-là. Tout à fait, parce que le songe, c'est un message quand il s'agit d'un message de Dieu. Parce que le terme songe est repris plus ou moins 94 fois dans toute la Bible. Vous voyez? 7 fois dans le Nouveau Testament. Et 87 fois dans l'Ancien Testament. Alors que le mot ou le terme rêve, ils ont répliqué 3 fois la Bible. Une fois dans Psaume chapitre 126, verset 1er, et puis 2 fois dans Ésaïe chapitre 29, verset 8. Donc la Bible parle beaucoup du songe plutôt que des rêves. Vous voyez? Je crois que ce qui n'a encore revenir dans mon tournant au niveau lobby, Bandoto ou Yutakipa Yamutu. Dans le lobby, Moutou a percevé, a conservé, a reproduit sa image. On s'est rappelé les sous-sous. Et lorsque nous étions encore enfants, certainement, on s'est rappelé dans le Bandar. Parfois, Babana ou Pekisa, dans le Bana, Mikie, à l'époque, dans le Wakala, Kokene n'a pas de Dei. Moutou, à l'époque, c'était Moutalal Nambetou, ce n'était pas dans le cercueil. Bazo qui s'habille sur Banamiki. Pourquoi? Pour Baboti n'habille sur Banamiki, parce que Moni, Okolota. Pourquoi? Parce que l'image, on a aux hommes des optiques, alors on a Moutou des aperçus conçus et qu'on a la reproduite dans le globe. Voilà pourquoi même la télévision, et dans la film, même sur Bakomaka, et Petit Salina, moins de 12 ans. Par exemple, la film Mokala, la film Zomi, la Nakonda, et ça va défendre, va pétisser. Que moi, à l'âge, je vais côté à des points, parce que l'image, on est côté calé, qui peut vous en reproduire. Alors qu'aujourd'hui, l'interdiction, on a amené ces alakadis sous-soupenza, observer, parce qu'une fois, j'ai vu, moi, mon coin qui est âgé de 7 ans, de la cocolaïa, il y a un cercueil. Et drôle de choses, moi, à mon niveau, mon commandant, de la Kouya Kangami, pas Kouya Kangami. J'étais vraiment surpris, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Moi, à 7 ans, Kangami, pas au cocolaïa. Donc, comprenez un peu. Alors, ma rêve, vous ne t'auras pas amené, Jean de Nini. Voilà, bah, rêve ou ta qui est donc, plutôt au songe. Tout à fait. Ce qui n'a pas aussi, ça me qu'est, rêve ou t'es pas mon tout, et ça produit un sentiment, et ça produit un désir, et mon tout, et ça produit un soumou, et mon tout. Par exemple, sur Tali, Genèse chapitre 39, le petit solo, il y a Joseph, au Tali, dans le 10 premier verset,
Au monde abarbi, Joseph était beau de figure et de taille. Moi, c'est à Potiphar, c'est là qui tellement à Joseph, a commencé à Joseph à coucher là. Vous voyez, au monde une position, moi, c'est à Potiphar, c'est qui n'a pas envers Joseph, en colot à Joseph, papa là. Alors que ce n'est pas Dieu. Les âmes, sentiments là, les émotions là. Donc, tous à la remarque, dans mon pôle, il y a un peu de temps, 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 il y a un. Parce que les sentiments, les souhaits, les désirs peuvent exprimer et peut-être traduits par des images pendant ou durant les sommeils. Voilà. Ce qui est à bon mot, là, on dira rêve humain. Oh, voilà. Là, c'est un rêve humain. Oui, tout à fait. Du coup, tu rêves, tu songes, je ne sais pas, Nzambi. Voilà. Voilà. Pendant tout, je ne sais pas, Nzambi, soit dans la Bible. Pour qu'on se rende compte qu'il y a certains songes et ça l'a provoqué par un Zambé pour transmettre un message particulier. Par exemple, sur Talina, quand il y a un roi, chapitre 3, verset 5, il le lobby, Salomon t'a ma paix sur front pour l'Holocauste, a paix ça qui mit l'Holocauste. Et Nagabaron, Dieu était tellement content, il y a comme on a Salomon que sa offrande, voilà. Dans chapitre 3, verset 5, l'Éternel apparaît en songe à Salomon et lui dit, demande tout ce que tu veux et moi l'Éternel. Pour nous, Notouana les a provoqués par Yanzani. C'est Dieu qui a provoqué ces songes pour parler à Salomon. On dira de ces songes un songe d'origine divine. Autrement dit, le songe divin. D'autorité par Yanzani. Dans la Bible, tout ça, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, par exemple, il y a Genèse chapitre 20, sur le terme verset 3, il y a un exemple de Méli Abimelech, dans l'autre, on dira de ces songes un songe divin. Et par l'autre, sous le prêtre l'autre, vous allez avoir l'autre dénouement. En fait, Nzambe, sous le cas de l'autre, à quoi il y a forme la moutou. Parce que Dieu est esprit. Il va toujours prendre une forme humaine. Les gens vont nous soulever la vie sur l'autre. Tout l'autre va nous soulever. Et voilà pourquoi j'insiste beaucoup pour n'avoir tout dans la pitié dans les gens dans l'autre. L'intelligence des songes peut entraîner toute une vie à la mort. Ça peut être désorienté aussi. Tout à fait. Il se trouve dans des cas outre bénédiction d'Avaro. Peut-être que nous avons assez à ce qui est message, à ce qui est révélation, donc on a songe, mais à négliger à et puis créer un problème, à se comprendre, à ça la nénine. Alors. Oui, en fait, par rapport à nos autres. Mais sous Tali, par exemple, dans d'autres exemples, dans Matthieu chapitre 2, verset 13, Bible le dit, dans vos bamages, parce que Hérode, dans vos bamages, Hérode a besoin de l'information exacte sur l'enfant Jésus. Parce que c'était vraiment une menace. Hein. Pour l'aller à Zaroua, à Yukake, tout le monde va vous dire, au nom de Yoluka, le roi de Dieu qui vient de nous. C'est une menace. Voilà, par rapport à la politique, diplomatie, tout ça. Donc, à Santaki, le monde royauté a été commis en danger. Il voulait s'acquérir des informations. Moi aussi, j'irai adorer l'enfant. Alors que les. Quand Hérode disait je vais aller adorer, il voulait tout simplement dire que je vais aller tuer l'enfant Jésus. C'est ce qu'il était. Il le croisait qui n'en a qu'un ici, c'était ça. Mais Bible lobby, Zan a lobé l'image. Elle dit pas mal lobby. Bible lobby, dans Matthieu chapitre 2, verset 12, la commune Zan lobby, l'image était divinement avertie par le songe de ne plus retourner auprès de Hérode. Vous voyez? Imaginez, un peu qu'un peu qu'on réfléchit, je vais négliger l'auteur du nom, je vous rassure, madame, Hérode n'a pas besoin d'informations exactes. Et l'enfant Jésus serait peut-être tué par le père du roi Hérode.
En fait, c'est quoi Bandoto Tara, un diable? En fait, Bandoto Takepa et Satana, ce sont des songes où il y a qu'à pour contredire premièrement la volonté de Dieu. Il y a tout un livre de commis là-dessus. Je crois que bientôt, il sera disponible. À part les secrets de l'interprétation des songes, donc livre en dessous, c'est Komami. Tout à fait, voilà. Parce que secret et interprétation des songes, de lever les songes dans le contexte biblique et scientifique. Mais là, à part le livre voilà, de l'obéi sur les songes fallacieux, Bandoto Takepa et Satan, il y a tout un support, je crois que le livre en haut, comment repérer et vaincre un rêve satanique. Je crois qu'ils ont déjà fini, s'ils et le temps pour nous tourner, quand on salamo la formalité, et qu'on a déjà sur le marché. Vous voyez, donc le diable passe aussi au travers de certains songes. Beaucoup de gens ignorent cela. Éviter que Satan voilà pourquoi il y a un savant qui a dit l'ignorance sur ce que le diable réalise par les songes est à la base de beaucoup de destructions. Les gens ont famille bélé au panzana, les gens ont couple bélé et panzani, bélé comme il est. Ce qu'on l'a dit, base en haut Dieu parle toujours pour notre vie. Parce que sur Talina, Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 28, dit le lobby, tant nous avons que la moutou d'Ambalobi, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans le verset 27, Babinzamba qui montre l'image n'a pas la ressemblance à lui. Dans le verset 28, Babin, l'Éternel les bénit et leur dit. Multipliez-vous et soyez féconds. Communiquez. Voyez à l'émotion de Tayo qui, après sa création, c'était la voix de Dieu par rapport à Genèse chapitre 1er, verset 28. Et cette première parole que l'homme avait entendue après sa création, c'était une parole pour le bien de l'homme. Parce que la Bible dit l'Éternel les bénit et leur dit. Donc quand Dieu parle, il parle toujours pour notre vie. Nous avons beaucoup de liberté pour la destruction de Bichot. Ce qu'a dit Kinanzela, il y a un autre lié, il y a soit pour Kéli Sayo. Il y a des sous-coquélités, beaucoup de la surprise. Imaginez-vous, notre il y a Joseph, dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Alali, Azolo, d'Ange, à Bimélié, à Épicéalobi, soit enfant Jésus, soit maman Ego, qui m'en Égypte, et l'autre Azolo Kaboma. Imaginez-vous, Joseph à l'amour qui a dit à mon auto, je vous rassure, l'enfant Jésus a dit la kakoufa. Et moi je me demande ce qui Joseph a négligé à l'auto, mais les gars sous ce rôle d'Aboma Yesu, mais les gars sont pour faire les boulots sautés, à l'inakoufa, à l'âge enfance. Mais ce monde, ce qu'on a un âge ou à l'inakoufa, on suppose que les salis de l'humanité, il n'a pas à insérer les problèmes. Moi je crois que. Il ne faut pas donner déjà la vie sur nous. Pourquoi devrions-nous croire au songe? Pourquoi nous faut-on dire la songe? Bon, en fait, pour nous éclairer bien, nous avons dit qu'il n'y a qu'un peu pour répondre à ma curiosité, à mon auditeur, à ma vie. Parce que quelqu'un peut se poser la question, en fait, va être spectateur, excusez-moi, oui. Comment. Noto, la Bible les a présentés comme un langage de Dieu parmi tant d'autres. Parce que dans Job chapitre 33, verset 15, il parle par des songes. Et dans Nombre chapitre 12, verset 6, et lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je parlerai. Comment Dieu passe par les songes pour parler aux hommes, les diables peuvent aussi passer par les songes. Là, ça peut créer une confusion. Vous voyez, donc tout à fait, déjà ça crée beaucoup de confusion parce qu'on ne sait pas comprendre quel est le songe où Dieu nous parle et quel est le songe où le diable lui-même est en train de nous désorienter. Voilà pourquoi Dieu m'a fait grâce et j'ai rédigé un support qui sera prochainement publié. Paris, en fait, le livre est intitulé Rêve, message divin ou manipulation diabolique. Vous voyez, donc Église. Il faut les songes sont présentés dans la Bible comme étant un moyen de communication. Les songes, c'est comme un écho.
na miko okoyemba okokote ya mutu pa koleka lobi ba bêtise na même miko, voyez. Donc Dieu peut utiliser le songe, l'homme par ses propres sentiments, ba désir na ye et koki koza la traduit na ba image au travers d'un songe, et puis le diable peut aussi passer par différents, par certains songes. Par exemple, Sokotali, dans mon kanda, il y a Matthieu, chapitre 13, verset 24, au Kititi, verset 30. Au moins, la Bible, les autres, la Bible, la parabole est appelée la Hébré. On se rend compte que, par exemple, tout le monde a dit, il y a l'Ona, Albani, Kolona, Aloni, Aloni, Asilisi, la Boutou, Moïnaya, Aloni, Soussoua, puis sur le même champ. Et Moïnaya, Kolona, une mauvaise sémence, et Alona qui une bonne sémence. C'était le bleu. Son ennemi est venu ensuite à l'ONI et s'était livré. Au moment, tant que Jésus va nous expliquer par rapport à l'Obim, Alona qui sémence à Malam, c'est le Christ, en fait, c'est lui, le Fils de l'homme. Mais Moutaloni sémence à Malam, c'est le malin, le diable. Maintenant, une question se pose. Comment même chant, au Christ, à l'ONI, la bonne sémence, le diable est venu aussi sur le même champ, c'est une mauvaise sémence. C'est ce qui se passe dans différents songes que nous faisons. Tout moyen que Dieu peut utiliser. Au moins, tu as une retraite, mais après retraite, il s'est consacré, donc il est vraiment dans l'état de purification. Mais après retraite, tu as un autre dodo. Donc c'est un peu ça, je peux dire. Tout à fait, l'ennemi combat n'importe où. Est-ce que vous imaginez Satan attentat Jésus pendant que Jésus était en retraite? Bon, excusez-moi, peut-être tout à terme en retraite. Jésus a qui n'a pas période à gêne. Alors qui n'a désert et à Judée. Pendant de longs moments, il y a la prière. Un homme rempli du Saint-Esprit comme Jésus, il était dans des moments forts de prière. Le diable est venu quand même pour lui dire que non, si réellement tu es le Fils de Dieu, bon, on l'aime pas. Voilà, le diable peut tenter l'homme n'importe où, même la retraite. Donc, ce qui va encore revenir dans ma camarade, tout moyen que Dieu peut utiliser pour parler aux hommes, le diable peut utiliser les mêmes moyens, mais avec un but contraire à celui du Créateur. C'est comme ça qu'opère. Nous avons parlé dans le jardin d'Éden, à l'obéi Adam. Bon, il y a de l'eau, nous sommes dans le jardin, sauf nous, nous avons été pauvres. Nous avons été acquérés, n'est-ce pas? Mais après quelques temps, le diable est venu. Parce qu'en fait, par rapport à l'Ancien Testament, le serpent là, ce n'est pas le diable. Mais tu y es dit que le serpent, on a ça diable par rapport au Nouveau Testament. Dans le cas d'Apocalypse, chapitre 12, dans l'oiseau de la serpent ancien, on se réfère tout de suite à la serpent. Voilà. Donc, le diable est venu, ou à Pika, même, et si, à le jardin d'Eden, il y avait beaucoup d'arbres. Mais il y a eu Kaka Nanzeto, nous avons balondé les lacs. Vous voyez comment il opère. Donc, il a utilisé le même lieu, le même emploi, il a utilisé la même méthode, mais avec un but contraire pour opposer opiniâtrement à la parole du Seigneur. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, aïe, nous avons un peu ici, aïe, aïe, kakawana, aïe, nishimutu. Est-ce que nous avons un peu de à le bâcle, à créer doute? Il y a un mot dans le livre de la Bible, dans le livre, dans mon zamba yaka, pour nous avoir un peu Adam, le diable s'arrange pour nous avoir un peu de à Eve. Je ne dis pas que les femmes sont mauvaises, non. Non. Les gens ont un contexte, on a dit. Les gens ont un contexte. Donc, en fait, c'est comme ça, les diables. Donc, il vient sur le même endroit, sur le même champ, mais avec un but contraire à celui du Créateur. Voilà pourquoi il y a des faux songes, il y a des vrais songes. Par exemple, sur Talim, dans Jérémie chapitre 23, verset 32, Bible le dit, j'en vais à tous ceux qui prophétisent des songes faux. On suppose qu'il y a des songes faux. Quand il y a des songes faux, il y a aussi certainement des songes vrais. Vous voyez? Donc, les songes faux par rapport aux songes vrais. Il y a des fausses prophéties. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Aujourd'hui, actuellement, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a aussi des faux serviteurs. Donc, c'est comme ça qu'il opère. À
créé. Kaka, oyo nzamba zo sala yepe azo buka ayimite. Et si kaba nzamba solo baza, Satan sala ke fort. Ak sisite pe mwa ba oyo ya ye atina. Juste pour créer des confusions. Yamo vous s'est rappelé dans la parabole wana, mkola ko récolté. Bible lobi, ba serviteur baza ki na katia confusion. Il s'est demandé, mkolo na biso alona ki bleu. Bah, il veut des outils wapi. C'était ça leur préoccupation. Bah, tout le monde qui est là, Seigneur, tout le monde qui est en train de c'était les blés. Mais bah, il veut des outils wapi. Vous voyez? Et quelle était la réponse du maître? Alors, c'est l'ennemi qui a fait ça. Oh! Lorsque tu as là, tu as qui a l'oni, on a là, on suppose que tu as là qui, quand tu as là, tu as là. On suppose que les serviteurs dormaient à un certain moment et l'ennemi a profité pour travailler. Parce que le maître a dit, lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu semer une mauvaise sémence. Donc vous, vous dormiez, mais moi, je n'ai pas dormi parce que Nazan avait information. Vous voyez, donc notre Dieu ne dort pas. Il est au courant de tout. Maintenant, une question se pose, mais pourquoi pas à Koki, à Koka qui croit péché, mais à s'aimer mauvais sémence. Là, c'est la souveraineté de Dieu. Bah, faux pasteur, Bazotéa, apparemment, ils ont la Bible, ils parlent toujours de Jésus, mais à la fétiche. Il y a des faux prophètes avec qui ils parlent, ils prophétisent. Apparemment, vous croyez que c'est Dieu, mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Non. Donc, voyez, jusqu'au temps de la moisson. Oui, tout à fait. Alors, prophète, quel est vraiment le secret de l'interprétation des songes? En fait, dans la trois secrets et l'interprétation des songes, il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle les composantes des songes. Ça, c'est le premier secret. Dans notre support secret de l'interprétation des songes, nous avons présenté trois secret. Il y a les composantes. Le premier secret, c'est les composantes des songes. Le deuxième secret, c'est les différents types de songes. Et le troisième, c'est les principes de base de l'interprétation des songes. En fait, Napoléon Tobingi, les composantes des songes, on a Tomikikolobé là-bas, différentes composantes, il y a d'autres. Parce que tout songe a des parties. Il y a ce qu'on appelle la forme, il y a aussi ce qu'on appelle le fond dans un songe. Tout songe a une forme et a un fond. La forme d'un songe, c'est l'impression d'un songe. Vous voyez? C'est l'aspect extérieur d'un songe. C'est l'apparence même du songe. C'est la première impression où il y a une autre chose. Par exemple, l'ali, oloti, et dans le cas exemple, oloti, maman, la bino, azoya, ou fino, kimo. Vous voyez, ou la mouki, directement, dans mon tout naïo, aux yeux d'interprétation, nous avons l'impression que maman, la bino, a mouki. Réaction naïo, c'est lié par rapport à la forme du songe. Parce que, après le songe, beaucoup de gens réagissent. Mais pas ces alliés, bah, te bélé, bah, réagissent à kamabé. Pourquoi? Parce que basan enseignité n'a pas composante y a pas songe. Par composante y a pas songe. Je te le dis, la livre la biso. Y a un débat scientifique. Je crois Freud a bengi à nous bas contenu. A bengi n'a pas éthique n'a rien. Le document n'a rien sur le là. Comment interpréter les songes? A le bengi bas contenu latent n'a pas contenu manifeste. Voyez. Donc la forme d'un songe, c'est comme l'introduction. Voyez, parce que sur le tali na et pas ya Baduf et pas ba Yuda na document na bango ba beni Talmud. Talmud est un recueil de lois du judaïsme post-biblique. On a balobi plusieurs fois Dieu nous envoie des songes comme des lettres cachetées. Donc les Talmud comparent un songe à une lettre, alors que une lettre a une introduction, un développement et une conclusion. Au coup qui cause la détaillité à contenu à l'être, l'introduction à l'être. Voilà, voilà pourquoi beaucoup de gens, et même beaucoup des hommes de Dieu, tombent à la piège ou à la. Au moins, on a soukouta l'autre,
directement. C'est l'esprit de la publicité. Ça, c'est agir par rapport à la forme, à l'impression des songes. L'impression des songes. Ils ont un contenu, c'est une voix la nuit. Comment ça s'explique? Voilà. Ce qui te coquille, c'est qu'on a là, tu as l'obligé de te lever là, le principe de base de l'interprétation des songes. C'est prévu dans, notre, dans ce que je suis en train de dire. Ah oui, d'accord. Et voilà. Donc, au coquille, colota noto, ce que l'amour qui impressionne, c'est que l'amour tout est mis, colota kakate, ou yokanisi yango. Je vais copier cet exemple dans la Bible, dans la Genèse et la Juge, chapitre 7, sur le verset 13, qui dit le verset 14. Bah, oui, un jour, j'ai dit Azo Kende, Azo le Kanzela. J'ai dit à mon ami, tout le monde va au solo. Là. Et mon corps, il s'en est dit aujourd'hui, il y a l'autre chose, il y a mon ami, tout le monde va au Bambati, Azo Baluka, et il dit que c'est RT, ma tante, et Baluki, Koui, et Baluki, Koui. Si nous avons dit non, ce n'est pas une autre chose. C'est l'épée de Gédéon. Tu as livré les Madianites entre la main de Gédéon. Noto Oyo, nous allons dire à l'autre gâteau. Ça donne une impression du manger. Mais le message qui est caché dedans parle des milieux. Voyez. Donc, notre petite impression, sous-sous, les autres de la cambo. On a été accepté et pas battu parce qu'on a tendance au lot qui a monté dans l'autre et Nicolas. Non. Au coquin, que l'autre est comme un sous et sur le macam, notre roi n'est pas un sous. Au colotan zété, des ans zété, au colotan zété, et représenter famille Nabino, dans l'autre, au colotan zété, et représenter Moutou. Par exemple, la Daniel chapitre 4, pour mon accueil, le roi n'est pas un tsar à l'ali, à l'autre, une autre, zété, moi, mené. Ils étaient à la ma bébé, les colons étaient à la signe et tout ma patte. Et tant que l'amour qui a mon autonomie, ils étaient à l'étape et l'étape à moi ouvrir toute l'étendue. Il y a mon qui est. Parce que moi, à mon qui va y avoir un ombrage, il y a un ombrage, ils étaient à l'amour qui c'était un songe. Il y a mon ils étaient. Mais l'interprétation de l'autre des acquis, Daniel a dit cet arbre, c'est toi. Le songe est un mystère. Ça peut donner une impression concrète à ce qu'il veut exactement dire. L'amour de la Sima, la dernière découverte, il y a un livre de la Secret de l'interprétation des songes, Dolobi, étant une sorte de langage codé, on aurait dit un mystère. Le songe peut donner une impression concrète à ce qu'il veut exactement dire. Vous voyez? On appelle cet exemple de Moussousou. Il y a Noto Yo, les Anagénèse, chapitre 41. Tout ce monde a que Pharaon Alali, Amoun, ma vache maigre, ma vache grasse, ma vache maigre, ma vache grasse, et à la mouki, c'est un songe. Non, bon, tout le monde, expliquez à Moïse. C'est déjà compliqué. Cette vache maigre qui engloutit cette vache grasse, ça veut dire quoi? C'est bizarre. À la manière bizarre. Des hommes, c'est comme si ce qu'on a dit, on a dit que ça a été qui est bon. On a dit que ça a été un peu de temps. On a dit que ça a été un peu de temps. Tu vas te tambrier. Parce que ce qu'on a dit que ça a été analysé, il y a déjà un élément anormal dans l'autre. Élément anormal, les amis. Les amis, vache, asa, herbivore, asa, la carnivore. C'est ça. Vous voyez comment un herbivore, a dit à ma tite, c'est déjà compliqué, bizarre. Difficile à expliquer. Vous voyez, il y a un moment où Pharaon a l'amour qu'il avait un esprit agité, à comment il paniquait, lui qui était le roi. Il y en a ça abat tous les songes, ils ne s'interprètent pas par la position où on a occupé la société. D'autres s'interprètent par la sagesse, moins encore par la magie ou par l'intelligence humaine. C'est un domaine mystérieux, il faut avoir cette compétence. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas. Il y a la compétence, voilà. Nous avons cette grâce et on peut facilement, ceux qui ont l'autre d'autre, par la grâce de Dieu, nous avons pas souvent la même interaction. Prophète, alors, Pona, parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission, alors pour que les gens puissent contacter Bato Baza en père, Baza Naba, Lota Bando, Mbouya Bango, comment est-ce que Bako Kokutananayo pour aider Bango?
Est-ce que vous avez un numéro de contact pour vous couper ça? Tout à fait. Tout ça, c'est une préoccupation. Nzela na biso nzamba ko sunga yo benga biso na numéro plus 243 89 89 21 164 na même na WhatsApp même na Facebook, si vous avez besoin d'atteindre Bissot, na jeté moi pour retrouver Bissot facilement. Donc, il y a des minutes. Prophète Namoni, matière est vraiment ébellée. Nous aurons le temps de continuer parce que ce n'est pas la fin de l'émission Savoir, École du Savoir. Nous allons à continuer pour parler un peu des secrets de l'interprétation des songes. Alors, le mot de la fin, pasteur. À tous les amis qui sont en train de nous suivre, les songes est un langage de Dieu à ne pas négliger. Nous devons prendre nos songes au sérieux. Les dieux qui parlent par la prophétie, ils parlent par des visions, ils passent aussi par différents songes pour révéler sa pensée. Cessons de négliger nos songes, prenons nos songes au sérieux. Chers internautes et téléspectateurs de UCL TV, vous qui avez suivi cette émission, nous sommes à la fin de cette émission. Comme je vous le signale, ce n'est pas vraiment la fin parce que nous aurons à continuer à parler des secrets des interprétations des songes parce que c'est vraiment trop vaste. C'est vraiment trop vaste, donc il y a beaucoup d'éléments. Alors nous continuerons toujours à parler des secrets de l'interprétation des songes. Mais pour aujourd'hui, nous bouclons. Et par là, je voudrais remercier l'équipe technique des Congo Lokolé. Je remercie Madame Gudil Bisengo, l'attachée de presse, hein, celle qui nous a aidé à réaliser toujours. Celle qui nous aide à réaliser toujours des émissions. Je remercie également Domi qui était à la prise de vue. Je remercie Papa Emma Manzambi, Papa Clément Kipoy, le partenaire des Congo de Colé Belgique. Je remercie Papa Raphaël Fataki. Je remercie mon vieux David Olito. Je remercie Maria Buela. Nous nous retrouvons prochainement pour l'émission École du Savoir. Et nous allons continuer toujours à vous aider comment interpréter vos songes et comment est-ce que vous devrez prier pour que Dieu vous révèle aussi par des songes des choses cachées. Merci beaucoup, nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.